On connaît les effets de l'alcool impliqué dans un tiers des accidents mortels. Heureusement, il existe différentes méthodes pour tester son alcoolémie et éviter de prendre la route si elle est trop élevée. Zéro Tracas a profité du premier salon Préventica à Paris pour voir ses outils et rappeler d'abord la législation. Nous sommes donc à 0,25 mg par litre d'air expiré pour le conducteur standard et 0,10 mg pour les conducteurs, on va dire, dans le cadre du permis probatoire et aussi pour les conducteurs de transport de personnes assises. Au-delà donc de 0,25 mg, on passe donc en contraventionnel, c'est-à-dire 6 points à 135 euros. Et au-delà donc de 0,40 mg par litre d'air expiré, là on est dans le cas du délictuel. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors prévenons ces désagréments grâce à l'éthylotest. Nous sommes fabricants d'éthylotest à usage unique basé à Montpellier. L'éthylotest à lui simple, il coûte facilement moins d'un euro en grande surface. Et un kit de prévention, il coûte moins de 2 euros. Le kit de prévention étant différent pour les effets d'alcool pour le corps d'un homme, le corps d'une femme, mais aussi pour nos jeunes conducteurs qui ont des permis à moins de 3 ans. Nous avons une petite réglette qui aide aux consommateurs à régler le taux d'alcoolémie, à savoir s'ils ont pris un ou deux, trois verres. Et nous avons fait des petits rappels, des pénalités à payer lorsque vous dépassez le taux d'alcoolémie légale ou comment reconnaître un coma épileptique, etc. pour que le consommateur soit responsable. On ne dit pas de ne pas boire, on dit juste buvez, mais soyez responsable en buvant. C'est tout. Et pour être pleinement responsable, il existe des outils plus sophistiqués. Good Angel est un dispositif éthylotest qui va venir se connecter à un smartphone. La personne donc va pouvoir faire une prise de mesure dans l'éthylotest qui est miniaturisée. Le résultat de la mesure va venir s'afficher sur le smartphone. Et si la personne n'est pas en capacité à prendre la route, elle va être prise en charge par notre service de prise en charge. Deux boutons d'appel se mettent en place dans l'application. Un premier bouton d'appel appelé un ami qui peut être aussi appelé un référent dans l'entreprise. Et un deuxième bouton d'appel qui va lui permettre d'être mis en relation avec notre service de prise en charge qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va pouvoir accompagner la personne en taxi, l'héberger dans l'hôtel le plus proche, lui faire reprendre une mesure le lendemain matin avant qu'elle reprenne la route si nécessaire. Et c'est une offre à tiroir. Et l'appareil coûte 99 euros TTC. Et donc le service de prise en charge, 6 euros par mois par utilisateur pour une période de 12 mois. Un raccompagnement taxi offert. Et ensuite, les personnes verront bien sûr leur course. En revanche, la valeur ajoutée de notre service, c'est que l'on garantit un service de prise en charge, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Ce qui n'est pas forcément le cas si la personne elle-même devait trouver son propre système de raccompagnement. À propos de système, en voilà d'autres pour savoir si l'on a trop bu. Deux produits, l'éthylotest anti-démarrage, plutôt à vocation des flottes, pour... Effectivement, avoir des conduites sans alcool. Typiquement, le véhicule ne peut pas démarrer si l'éthylotest n'est pas négatif, en fait. Un autre produit qu'on peut retrouver, par exemple, dans les boîtes de nuit ou dans des endroits où il y a du public, des bornes, en fait, d'autotest. La personne doit souffler dans cette borne pour faire un contrôle de son alcoolémie. Et évidemment, si elle est positive, elle ne prend pas le volant. Allez, souffle, et c'est mieux que de souffler dans cela. Un système d'éthylotest compact, très rapide et simple d'utilisation. Un seul bouton, marche, arrêt. On appuie une seule fois, ça y est opérationnel. Un embout qu'on va changer chaque fois qu'on aura soufflé, donc là je vais le mettre dessus. Et je vais effectuer un souffle donc long et continu pendant les 5 secondes. J'ai la valeur qui va s'afficher, donc 0. Et une coloration, si vous voulez, au niveau de l'embout, verte. Et je peux en acheter un hein. 600 euros. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas le logo police marqué dessus, mais c'est strictement le même appareil. Mais pour un usage moins répressif, et plus préventif.